Salut à tous et à toutes, c'est Olek. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Histoire de Char, où je vais vous parler du fer de lance des blindés britanniques de la Seconde Guerre mondiale. Je parle bien sûr du Churchill. Le tank infanterie Mark IV A22 Churchill était un char d'infanterie lourd qui peut se définir par deux caractéristiques principales. Une bonne puissance de feu, apportant ainsi un soutien aux unités qu'il est censé appuyer tout en l'accompagnant. Un blindage épais servant à améliorer sa survivabilité sur le champ de bataille, face à une défense organisée pour le détruire. Mais que dire de ce char? Le Churchill fut le plus performant des chars utilisés par les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut aussi utilisé par diverses nations comme le Canada ou l'URSS. Il fut décliné en diverses versions, appelées Mark, et donna naissance à une multitude de chars dérivés. En effet, son épais blindage, son grand châssis protégé par des chenilles enveloppantes, son moteur puissant et fiable lui permettait de gravir des pentes raides, ont fait de ce char le couteau suisse de l'armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Ce fut aussi un des chars alliés les plus lourds de la guerre. Son historique du développement. Les différentes écoles vont produire des chars différents selon les doctrines d'emploi des états-majors respectifs. La Première Guerre mondiale va influencer les états-majors des vainqueurs, et ils vont s'orienter vers des chars devant évoluer en liaison avec l'infanterie pour annihiler les défenses ennemies. De plus, les alliés vont avoir à gérer un énorme stock d'armes issus du conflit, et ne vont pas trop chercher à évoluer, se reposant sur leurs lauriers. En face, les Allemands partent d'une page blanche, où tout était à écrire, en fonction des analyses du conflit précédent, et ils ne possèdent aucune sorte de matériel. Ils peuvent tester des tactiques et mettre au point du nouveau matériel. L'arrivée d'Hitler va encore plus accentuer le processus, et face à ce danger du réarmement allemand, les démocraties occidentales vont alors se réarmer avec du nouveau matériel. Les Britanniques vont mettre au point des chars légers, moyens et lourds. Mais ce qui est flagrant est que dans les termes choisis, on retrouve des termes de la marine avec les chars cruiser. Les Français, eux aussi, vont suivre le mouvement, mais les démocraties occidentales sont parties avec un temps de retard. Revenons aux Britanniques, qui partent du principe que la guerre en Europe pourrait être menée dans des conditions similaires à celles de la Première Guerre mondiale, et mettent donc l'accent sur la capacité de traverser des terrains difficiles. Mais tout change au début de l'été 1940, car après l'évacuation de Dunkerque des côtes françaises, le gouvernement britannique a chargé Vauxhall Motors de concevoir un nouveau char pour remplacer le Matilda 2 qui avait une mobilité limitée et d'autres déficiences. La fiche du programme du char d'infanterie britannique A20 date d'avant-guerre, et elle est destinée à remplacer à la fois le Matilda et le Valentine. Il doit pouvoir combattre dans les tranchées, en appui et en collaboration avec l'infanterie, donc la vitesse n'est pas un impératif. Il doit être fortement protégé, avec un armement adapté uniquement pour détruire les points d'appui. Donc il doit avoir un blindage conséquent, un armement puissant pour détruire les fortifications, et un châssis large et long pour franchir les tranchées et fossés anti-char en écrasant les barbelés. La mise au point du Churchill a été précipitée pour pouvoir reconstruire des forces britanniques qui devaient faire face à une éventuelle invasion allemande. Aussi, les premiers véhicules avaient des défauts qui devaient être surmontés avant que le Churchill ne soit accepté pour une large utilisation. Je vais parler de la dernière version du Churchill, le Mark VII. L'A22F, Churchill Mark VII, était très différent dans sa conception interne par rapport à ses prédécesseurs, à tel point qu'il fut renommé A42 à la fin de la guerre. Les changements inclurent le remplacement de toutes les ouvertures carrées par des ouvertures circulaires, afin de réduire la faiblesse due aux angles. L'augmentation de l'épaisseur du blindage qui passa à 152 mm à l'avant et à 95 mm sur les côtés a sorti d'une construction désormais entièrement soudée au lieu de riveter, ce qui permit de limiter une tonne à la hausse du poids due à ce nouveau blindage. La boîte de vitesse Merino Brown H4 fut remplacée par une H41, mais le moteur resta le même que celui du Mark I, entraînant une diminution de la vitesse maximale. Tout comme le Mark IV, le Mark VII fut décliné en une version d'appui nommée Mark VIII. Il est équipé de l'obusier de 95 mm, environ 900 Mark VII et 200 Mark VIII furent produits. À la fin de la guerre, il y eut un projet de conversion des anciens Churchill, afin de les équiper de la tourelle du Mark VII et différents types de canons. Ceux équipés du Six Pounder seraient devenus des Churchill Mark IX, ceux avec un 75 des Mark X, et ceux avec l'obusier de 95 des Mark 11. L'étendue de la mise en œuvre de ce projet demeure incertaine. Si une trentaine de Mark 10 semble avoir été effectivement convertie, il n'y a aucune trace de l'existence du Mark 9 ou du Mark 11. Avant de parler d'un prototype, je vais parler de deux variantes du Churchill. Un premier essai de char lance-flammes fut tenté dès 1942
avec la conversion de trois Churchill, baptisés OKE, ces véhicules furent utilisés que par les Canadiens du Calgary Regiment à Dieppe, mais furent détruits sans avoir pu combattre. La deuxième tentative fut beaucoup plus fructueuse. Connue sous le nom de Churchill Crocodile, cette variante basée sur le Mark 7 était équipée d'un lance-flammes à la place de la mitrailleuse de proue. L'engin avait une portée d'environ 110 mètres, utilisant l'azote comme gaz propulseur et avait un système d'ignition électrique. Le liquide inflammable n'était pas transporté dans le véhicule lui-même, mais dans une remorque tractée, ce qui réduisait le risque pour l'équipage. Environ 800 exemplaires furent construits et ils furent abondamment utilisés en Italie et en Normandie. Je vais parler de la seconde variante, le Churchill AVRE. L'AVRE, Assault Véhicule Royal Engineer, était un véhicule destiné à l'assaut de fortifications et est équipé à cette fin d'un mortier à ergo de 290 mm. Tirant une bombe de 40 livres, le rechargement s'effectuait par la gueule, une trappe était aménagée au-dessus du siège du copilote. La VRE fut aussi occasionnellement équipée de divers moyens de franchissement d'obstacles. La fascine pour franchir les fossés anti-chars, des pontons pour escalader les digues ou encore des bobines permettant de dérouler un tapis pour renforcer le sol. Et maintenant on va parler du Black Prince. La 43 Black Prince fut un autre projet sans lendemain issu du Churchill Mark 7. Équipée cette fois d'une nouvelle tourelle et d'un canon de 17 pounder, 6 prototypes furent construits, mais le char qui avait toujours le même moteur que le Churchill Mark 1 souffrait de sa très faible mobilité avec une vitesse maximale limitée à 18 km/h et le projet fut abandonné à la fin de la guerre. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez pour un prochain épisode. Avant qu'on se quitte, je tiens à vous dire que je mettrai le lien d'un serveur Discord où je suis presque co tout le temps. Alors venez le rejoindre pour qu'on discute ensemble et je tiens à vous remercier pour les 178 abonnés. C'est un truc de fou, ça a grimpé d'une vitesse folle, juste pour une vidéo, donc merci. Hein. Bon, on se revoit pour le prochain épisode. Ciao !